Bordelais. Donc nous sommes lundi, le 12 décembre, 10h pile, il fait froid. Et c'est le temps de la troisième conférence dans le cadre du projet scientifique et pédagogique polono-français intitulé « Langage de la littérature polonaise du 21e siècle ». Merci pour votre présence ce matin à la Maison des Sciences de l'Homme à Clermont, également sur Teams. Je m'appelle toujours Piotr Severin Rozol et comme d'habitude, je vais animer notre rencontre. Nous sommes ici grâce à la NAVA, l'Agence Nationale d'Échanges Universitaires, qui finance ce projet dans le cadre du programme Promotion de la langue polonaise. Nous y sommes également grâce à l'Institut des recherches littéraires, Académie polonaise des sciences Varsovie, qui gère ce projet en coopération avec département d'études slaves UFR, langue, culture et communication, Université Clermont-Auvergne, et enfin aussi Maison des sciences de l'homme. Et je tiens à remercier tous les quatre pour une formidable coopération polono-française, varsovienne, clermontoise. Voici la page Facebook du projet où vous trouverez toutes les informations et tous les matériaux, textes, photos, vidéos. Alors n'hésitez pas à la suivre, consulter, commenter, liker son contenu ou le disliker, hein, pourquoi pas. Hein. Je réponds volontiers à toutes leurs remarques. C'est un plaisir de dialoguer ou discuter avec vous sur la littérature polonaise, qui n'est pas malheureusement très connue en France, à part de quelques grands noms comme Mickiewicz, Sienkiewicz, Gombrowicz, Miłosz, Schulz ou parmi les contemporains Tokarczuk. Et justement, le but de ce projet est de présenter plusieurs langues de la littérature polonaise contemporaine à travers les œuvres les plus influentes actuellement en Pologne. Alors, cette année-là, nous vous proposons 7 conférences à la Maison des Sciences de l'Homme sur 7 écrivains et écrivaines, c'est-à-dire sur 7 langages littéraires bien spécifiques, uniques, idiomatiques, qui se réfère en même temps à sept langages communs caractéristiques pour le débat public, dépassant largement le terrain littéraire et académique. Ainsi, vous avez l'occasion de connaître à la fois une grande partie de la scène littéraire et de phénomènes sociaux, politiques et culturels de la Pologne actuelle. Tous ces langages sont présentés par 7 spécialistes de 7 villes, Paris, Varsovie, Prague, Cracovie, Wrocław, Katowice et Clermont-Ferrand, ce qui aboutit à 7 vidéos diffusées sur YouTube, 7 reportages photos et à la fin un livre, elle aussi composé de 7 chapitres. Donc ça fait au total 7 fois 7 égale, si je ne me trompe pas, 49, mais aucune idée à quoi peut renvoyer 49. Ce n'est sûrement pas l'âge moyen de participants à ce projet, car l'équipe est plutôt jeune. Par exemple, Adrien, qui s'occupe de vidéos et photos et qui a 19 ans. Non, 20 ans, d'accord, pardon. Mais si on ajoute à ces 49 encore 40, on obtient 89, et donc 1989, alors le début de la Pologne, de la Troisième République polonaise, enfin libre, souveraine, démocratique, et cela c'est une césure incontestable, puisque à ce moment-là, on voit la véritable révolution langagière dans la littérature, recherche, études, débat public, enfin partout, hein, en Pologne. Dans le programme, vous trouverez plusieurs langages qui apparaissent justement après
1989, celui de la deuxième génération de la Shoah, du féminisme, pop culture, empathie, historique, culture centre européenne, discours LGBT+. Aujourd'hui, le langage de la nouvelle masculinité à travers l'œuvre de Stepan Tvardor, présenté par Wojciech Szmija. Merci. Merci Wojciech d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue Wojciech à Clermont-Ferrand. On s'est vu à Paris il y a 3 jours à la Sorbonne où tu es intervenu sur la masculinité mythique et politique des Uhlans, lanciers polonais, dans le cadre du séminaire que je co-anime consacré à la culture de guerre. Tu es, Wojciech, maître des conférences à l'université de Silésie, HDR, spécialiste de la littérature polonaise des 20e et 21e siècles. Tu as publié 4 livres. Une littérature qui n'existe pas, esquisse de la littérature homosexuelle polonaise. Homosexualité et modernité polonaise, esquisse sur la théorie, l'histoire et la littérature. Hégémonie et traumatisme, littérature face aux fictions dominantes de la masculinité. Enfin, le 4e livre à paraître, Indépendance et transformation, esquisse sur le siècle de l'angoisse masculine 1918-2018. Ton approche s'est nourrie du discours sur le genre, et cela effectivement dans tous ces genres. Études gays, lesbiennes, féminisme, études de genre, théorie queer, enfin études sur les hommes et sur le masculinité. Ainsi, tu participes, Wojciech, pleinement à cette révolution langagière qui éclate vers 1989, et tu suis toutes ces étapes, de le début anarchique et enthousiaste jusqu'à son institutionnalisation et dans une certaine mesure son épuisement actuel. Ainsi, tu te places quelque part entre l'essentialisme de l'identité politique et le constructivisme de non-identité existentielle, et certainement du côté de la pratique d'interprétation, case studies, que de la théorie transposant ses idées largement au-delà de ses propres sources d'analyse. D'où ce sous-titre esquisse. Donc tout d'abord, une littérature qui n'existe pas. Donc celle qui est remplie par l'amour qui n'ose pas dire son nom, comme dit Oscar Wilde. Celle qui joue à cache-cache avec un lecteur, tantôt dévoilant, tantôt voilant un désir homosexuel par le biais d'une esthétisation, sublimation et la langue ésopienne. Elle n'existe pas, même si elle se trouve effectivement au centre du modernisme polonais du XXe siècle, avec ses noms le plus éminent, Iwaszkiewicz, alors ton écrivain de prédilection, au moins au début, à l'époque, mais aussi Gombrowicz, Andrzejewski ou Białoszewski. Elle se trouve au centre, mais littéralement à la marge, car elle n'existe que dans l'interprétation capable de découvrir sa richesse discrète et implicite, et pas dans le texte lui-même. Donc, paradoxalement, elle n'appartient pas au canon littéraire dont elle fait partie, à tel point que sans cette littérature homosexuelle, entre guillemets toujours, ce canon tout simplement n'existe pas. Et c'est pourquoi ce que tu montres dans ton 2e livre, Wojciech, au fond, la modernité littéraire polonaise est conditionnée par l'homosexualité, car son altérité bien présente, quoique inavouable, elle perdrait sa spécificité alter-moderne.
curieusement, dans cette perspective de Voytcher, la littérature gay qui apparaît après les années 80, avec Marianne Pankowski, Grzegorz Musiał ou Jerzy Nasierowski, celle émancipatrice et puis post-émancipatrice, qui forme cette fois-ci un canon alternatif, peut-être n'aurait pas l'impact si important sur la postmodernité polonaise que cette littérature homosexuelle, toujours entre guillemets, l'avait sur notre modernité alter-moderne. Mais là, franchement, tu ne donnes aucune réponse parce que tu changes tout simplement de sujet et tes deux derniers livres portent sur le masculinité, bien sûr au pluriel, le masculinité, puisque grâce au men's status, désormais il y en a plusieurs masculinités. Tandis que la masculinité au singulier s'est trouvée jusqu'ici, d'ailleurs tout comme l'homosexualité chez auteurs phares du modernisme polonais, partout et nulle part. Mais contrairement à celle-ci, elle était tout à fait transparente, car évidente, et en tant que telle, dépourvue de définition ou de description. À l'instar d'un choix par défaut, hein, si un livre, si un sujet d'un livre, conférence ou cours, ne porte pas le mot « femme », il s'agissait forcément des hommes, bien que leur présence était cachée sous forme de l'universalisme d'un « everyman ». En plus, en français, vous le savez mieux que moi, un homme veut dire aussi une femme. On est d'accord. Ce qui n'est pas le cas en polonais. Le véritable étude sur les masculinités n'apparaissent en Pologne qu'en 2013, mais elles deviennent d'emblée très à la mode. En multipliant ces catégories telles que la masculinité sarmate, noble, militaire, paysanne, ouvrière, etc., mais aussi celle grotesque, ironique, disloquée, déplacée, etc., ou même bien particulière et ponctuelle, celle d'un soldat polonais participant à la campagne de septembre en 1939. Ainsi, les études sur la masculinité montrent bien que le sujet masculin n'est ni transparent, ni universel, mais historique, particulier et dynamique. Alors au fond, ces études essaient, d'ailleurs tout comme Gombrowicz les faisait plusieurs décennies avant, de libérer l'homme de sa propre forme masculine qui lui est imposée. Le vendredi dernier à la Sorbonne, tu parlais de la masculinité hégémonique, dominante, virile, hétérosexuelle, conquérante, militaire de Hulon, l'ancien polonais, qui a influencé l'imaginaire polonaise à l'époque de l'entre-deux-guerres, et qui s'est effondré en dévoilant son anachronisme chevaleresque et sa théâtralité romantique, justement avec la défaite de campagne de septembre en 1939, pour revenir en quelque sorte, je pense, encore lors de l'insurrection de Varsovie en 1944, et pour rester à jamais en s'inscrivant dans le mythe national de gloria victis, gloire aux vaincus qui sont toujours invincibles sur le plan moral. Si la masculinité s'est définie toujours dans le contexte d'appartenance à la communauté nationale, la masculinité polonaise se forgerait dans la dialectique permanente de l'hégémonie et du traumatisme et de l'indépendance et dépendance qui sont notamment l'objet de tes deux derniers livres, le traumatisme subi suite à la chute finale de la Première République à la fin du 18e siècle, trouve son contrepoids dans l'hégémonie qui se réalise tout au long de l'époque des partages dans une série d'insurrections
qui se solde elle aussi en échec. Alors, la réponse de la masculinité polonaise blessée serait la tentative de récupérer la domination perdue, dont les actes militaires spectaculaires, aussi prenant en compte leur théâtralité, afin de prouver à tout prix une virilité mise en question. D'où l'excès de la bravoure, une exagération de la témérité liée à une exaltation patriotique radicale qui mène jusqu'à la folie suicidaire, car le but, au fond, n'est pas de gagner, mais de prouver sa capacité de mourir pour la patrie perdue afin de retrouver sa propre virilité perdue. Enfin, tout ce que l'on associe avec la fièvre ou l'ivresse romantique, inscrite également dans une expression française sous commun polonais qui remonte à l'époque napoléonienne, est la charge spectaculaire de chevaux légers lanciers polonais de la garde impériale attaquant une batterie espagnol à Samosiera le 30 novembre 1808. Bon, bref. Maintenant, l'œuvre de Stepan Twardo, celle qui n'est ni discrètement homo-érotique, ni ouvertement gay, ni très chevaleresque, quoique tout à fait guerrière, ni même romantique ou martyrologique, et surtout pas polonocentrique. Et peut-être, grâce à cela, sous apparence de ce personnage de type macho et de sa propre image médiatique d'une célébrité hyper masculine, homme à succès, individualiste et outsider, amateur d'armes à feu et de voitures de luxe, au fond, il ne cherche plus le moyen pour récupérer la masculinité polonaise traumatisée et perdue, mais contrebande une autre tout à fait nouvelle, bien que à nouveau cachée. Est-ce justement à Wojciech Śmiła de répondre à toutes ces questions? C'est mon tour maintenant. Oui, voilà, on change de place. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a des personnes qui attendent, donc il faut le faire entrer, s'il te plaît. Adrien. Mesdames et messieurs, bonjour. Premièrement, je vous remercie Piotr et Piotr Sobolczyk pour l'invitation à cette cycle de conférences consacrée au langage nouvel de la littérature polonaise au 21e siècle. Je vais présenter, comme Piotr a annoncé, une personne de, très signifiante, très importante pour la littérature polonaise contemporaine, Stepan Twardo. Je vais concentrer sur deux œuvres de Stepan. Donc, je commence. Mesdames et messieurs, ma conférence est la prochaine de la série consacrée aux langues de la littérature polonaise au XXIe siècle. D'après les communiqués, il semble que les langages que je vais vouloir présenter soient en quelque sorte liés à la nouvelle masculinité. Selon l'annonce, ma conférence est consacrée à Stepan Twardo, les constructions d'identité masculine dans la littérature polonaise, notamment dans la prose silésienne, face à l'effondrement de la civilisation du charbon, entre guillemets, bien sûr. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une nouvelle masculinité, mais je vais néanmoins essayer de montrer comment l'écrivain silésien construit ses protagonistes masculins pour lesquels l'identité silésienne complexe et le multilinguisme
qui lui est inhérent sont des déterminants importants. Avant de parler de cette œuvre, je dois premièrement consacrer quelques brèves remarques à la variante silésienne en polonais. Le silésien est considéré comme un dialecte du polonais par certains linguistes. Le dialecte silésien polonais se distingue par différents locales marquées. Au cours de l'histoire, ces dialectes ont évolué indépendamment de la langue polonaise littéraire, sous référence normalisée de la langue écrite. Des tentatives pour normaliser les dialectes silésiens sont actuellement menées, notamment par des militants autonomistes. Depuis septembre 2007, des membres du Parlement polonais ont présenté à plusieurs reprises des propositions de la loi visant à la reconnaissance officielle du silésien comme langue régionale de Pologne, mais elles n'ont jamais été adoptées. Mesdames et messieurs, nous reviendrons plus tard sur leur langue, mais pour l'instant, essayons de parler dans certains mythes profondément ancrés dans l'imaginaire polonais, qui entremêle l'idée de la plénitude et de la masculinité avec la conviction de la nécessité d'affronter un ennemi extérieur qui est très souvent allemand. La mazurka de Dąbrowski, l'hymne national, dépose la polonaise dans le corps des hommes. La Pologne n'a pas encore péri tant que nous vivons. Dans la mazurka, la Pologne vit en nous, les hommes. Environ 100 ans plus tard, dans le poème Catéchisme d'un petit polonais, connu de tous les enfants, cette Pologne devient une maladie mortelle. Un enfant devrait, telle est du moins l'indication de la dernière strophe du texte, donner sa vie. Le cancer de la polonité, si je m'ose dire comme ça, s'est propagé dans son corps, qui est un déformé. Qui êtes-vous? Un petit polonais. Ce polonais vit parmi les siens, c'est la citation du texte. Toute étrangeté, altérité, hétérogénéité est exclue, du moins dans le fantasme. Ce qui compte, c'est la capacité de la communauté construite dans les textes et persévérée à travers des innombrables lectures et les plaisirs qu'elle procure. L'antagonisme germano-polonais du XXe siècle a atteint son apogée dans les années de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ses racines sont plus profondes dans l'histoire des deux nations voisines. Et ces effets profonds se font sentir, en dépit de la politique, du politiquement correct, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. La politique actuelle en fournit plus d'un exemple. La littérature, en tant qu'expression de l'idéologie nationale, montre ces problèmes dans une myriade de textes. Leur nombre et la diversité de leur genre peuvent intimider le chercheur. Les textes qui confrontent la polonité à la germanité et nazie sont encore présents aujourd'hui dans le canon de la lecture des écoles polonaises. Il s'agit notamment d'Escadron 3-3, Kamienie na Szaniec, L'immortel Krzyżacy par Henri Sienkiewicz, Rota par Maria Konopnicka, la littérature de l'agre. Il convient de noter que cette confrontation est fortement marquée par le genre. Quand nous étions enfants, je veux dire ma génération, nous avons été solidement nourris d'images d'histoires de guerre. Ils étaient présents à l'école, dans les histoires de nos ancêtres, à la télévision et au cinéma. Presque tous les garçons de ma génération ont joué à la guerre, où ils étaient des courageux soldats polonais combattant les envahisseurs germaniques. Rowan Connell, dans son ouvrage classique sur la masculinité, affirme que la masculinité de l'homme blanc est construite non seulement par rapport à la femme blanche, mais aussi par rapport à l'homme noir.
Son observation s'applique aux sociétés marquées par l'antagonisme racial. Le casus de la Pologne du XXe siècle est quelque peu différent. Mais le principe organisant la masculinité du mâle polonais est similaire. La thèse qu'il exprime pourrait être la suivante. La masculinité de l'homme polonais se construit non seulement par rapport au féminin, mais aussi par rapport à des expressions concurrentes de la masculinité, en particulier la masculinité militaire allemande et les Mannerstadt allemands. De l'autre côté, c'était masculine juif qui servait comme un contre-type. On peut le dire autrement. Elisabeth Badinter a dit un jour qu'être un homme est basé sur trois dénis. Un vrai homme n'est pas une femme, il n'est pas un homosexuel et il n'est pas un enfant. Un polonais n'est pas non plus un allemand. Dans le monde de ces perceptions dualistes, la Haute-Silésie, en tant que région frontalière germano-polonais, posait un problème. Ici, l'ethnie slave semble fortement polluée par l'esprit de la culture allemande. L'État polonais ne reconnaît pas les Silésiens comme une nationalité distincte. Cependant, dans les résultats officiels de recensement dans ce pays, presque 1 million de citoyens polonais l'ont déclaré. La culture noble polonaise, caractéristique et essentielle, ne s'est pas non plus développée ici, ici en Silésie bien sûr. Au contraire, une culture ouvrière et prolétarienne a prévalu. De plus, la langue, détachée des codifications littéraires, est restée ici très archaïque d'une part et pleine de germanisme d'autre part, mal comprise et exclue de l'usage officiel, méprisant et honteux pour ceux qui l'utilisent en situation officielle. L'expérience formatrice d'un Silésien est l'expression du travail, pas de la lutte. C'est le travail qui a fondé son système de valeurs. L'environnement du travail dans les mines était presque exclusivement masculin, comme dans une unité militaire. Et tout comme sur les champs de bataille, il était possible de subir la mort ou la perte de santé lors de nombreux accidents dans la mine. Un certain nombre de rituels et toute une culture minière se sont développés autour du travail dans la mine. La fierté des mineurs se manifestait notamment par la porte d'uniformes festifs, la participation à une fanfare, à une orchestre de mineurs, les moments passés avec les collègues à la taverne. Les mines de charbon et les usines sidurgiques étaient le lieu de travail des hommes de Silésie, qui non seulement travaillaient ensemble, mais se fréquentaient aussi en leur sein. Le travail manuel était la base de la fierté masculine et la source de soutien familial. Le mythe de la masculinité plébéienne, silésienne, ouvrière, charbonnière a été raconté dans la littérature d'avant-guerre de Gustav Mocinek et de films d'après-guerre de Kazimierz Kutz dans les années 60 et 70. L'incorporation partielle en 1921 et presque totale après 1945 de la Silésie à la Pologne n'a pas conduit à une unification culturelle. Les Silésiens ont toujours ressenti leur altérité, leur séparation des vrais Polonais, entre guillemets, bien sûr. Leur identité et leur langue ont toujours été inappropriées en Pologne, entachées de germanité hybridée, suspectée. Leur corps était couvert de poussière de charbon, leurs âmes plébéiennes marquées par des sentiments pro-allemands. Bien que nos grands-parents aient souvent servi dans le Wehrmacht,
leur histoire ne pouvait pas être racontée. Et une prothèse de mémoire polonaise a été construite pour nous, leurs petits-enfants. Selon le professeur Aleksander Nawarecki, humaniste et écrivain silésien, les Silésiens de souche, surtout les garçons, ne se lançaient pas souvent dans des études humanistes, évitant surtout la philologie polonaise et allemande, et n'ont pas envie d'en savoir plus sur la culture des colonisateurs. Si le destin pousse un enfant silésien dans nos études, écrivait Nawarecki, je sais qu'il est capable de les terminer sans dire un mot. Ces dernières années, la Haute-Silésie a été marquée par la fin de la civilisation du charbon, mais aussi par la fin de la conspiration du silence entourant l'expérience historique du peuple silésien. Les grandes installations industrielles et les mines appartiennent au passé, et avec elles est morte une sorte de culture ouvrière qui définissait très clairement le cadre de la virilité charbonnière. Ces crépuscules de la tradition favorisent toutefois une sorte de renouveau narratif. Peut-être parce qu'une génération d'écrivains et d'écrivaines diplômés de l'université est déjà apparue. Zbigniew Rokita, Anna Cieplak, Anna Dziewit-Meller, Zbigniew Hedówek, Wojciech Kuczok. Ce sont des représentants de cette vague silésienne dans la littérature polonaise. Les Silésiens aujourd'hui veulent comprendre qu'ils sont regardés derrière les perceptions communes d'eux-mêmes, découvrir leur héritage non polonais et non allemand, être fiers et non honteux de ce qu'ils sont et de la langue de qu'ils parlent. Ils veulent faire ce travail afin de se redéfinir dans la réalité post-carbone de leur région. Ce processus a son reflet littéraire et on pourrait même défendre la thèse selon laquelle c'est la littérature qui inspire cette renaissance particulière et tardive. Un argument en sa faveur sera certainement le travail de Stepan Twardoch. Il est aujourd'hui l'un des écrivains polonais les plus connus et les plus lus, un ambassadeur littéraire de la Silésie en Pologne et en Allemagne, et partout peut-être. Ses premières œuvres datant de la première décennie du XXIe siècle se rapprochaient le plus du genre fantastique, mais depuis une dizaine d'années, Twardoch est bien connu du grand public littéraire. Ses livres sont publiés simultanément en polonais et dans le dialecte silésien, qui acquiert ainsi la première fois le statut de la langue littéraire. Dans mon exposé, j'accorderai une attention particulière au problème de la masculinité silésienne qui constitue une question clé dans l'œuvre de Stepan Twardoch. Dans ses premiers romans historiques, Wieczny Grunwald et Morfina, l'écrivain construit des personnages masculins avec une identité hybride, en partie polonaise et en partie allemande. Celle-ci ne peut être fermée d'aucune manière, ne peut être constituée comme univoque, ce qui conduira à un échec existentiel. Les travaux ultérieurs de Twardoch se concentre sur des thèmes plus contemporains, bien qu'il n'abandonne jamais la perspective historique. Le roman Drach, ou le dernier drame Les Taureaux, indique un problème d'identité supplémentaire pour les Silésiens, à savoir que l'effondrement de la civilisation industrielle du charbon et de la culture associée dont ils sont issus les prive de leur orientation dans la vie. Les protagonistes tentent de retrouver leur masculinité, leur identité, en faisant appel aux instincts de leurs ancêtres, à la manière de réagir codée par les générations. Mais ils, les ancêtres, restent silencieux. Le geste de cette rétrotopie singulière s'avère vain, et les héros sont confrontés à une catastrophe irrévocable.
pardon, je... Avant d'aborder plus en détail l'œuvre de l'écrivain et de me concentrer sur les romans les plus célèbres, Morphine, et sur son drame le plus récent, je me tournerai vers ses journaux intimes qui ont été publiés en 2015 sous le titre « Baleine et papillon de nuit ». Il s'agit d'un texte extrêmement androcentrique et patrilinéaire dont les femmes sont pratiquement exclues, même les plus proches de l'écrivain. La femme d'écrivain n'est pas même, n'est même pas mentionnée par son nom. Au contraire, même les amis très littéraires de Fader, comme l'écrivain Łukasz Opitowski et Witold Szostak, comptent. Sa patrilinéarité est encore plus prononcée. Elle s'exprime dans le fait que l'écrivain, lorsqu'il se concentre sur les intrigues privées, raconte la naissance et le premier jour de la vie de son fils. Tous les journaux commencent par sa naissance. L'histoire, cependant, ne cesse de remonter dans le passé, dans le destin de son père silésien et de ses frères, dans la vie de ses grands-parents et arrière-grands-parents, des hommes au lait dur, liés à la mine et au dur labeur physique. L'écrivain est celui qui a gagné le privilège de parler au nom de ses ancêtres et qui s'en servira pour leur donner un sens, pour élever leur vie, leur labeur et surtout leur mort, dont les noms en Silésie étaient souvent la mine. Oh, pardon. Oh. Les Silésiens, en dehors de leur travail dur et consciencieux, dont les fruits sont récoltés par d'auteurs dont qu'une seule chose qui ressort, l'histoire orale secrète. Des histoires ésotériques, chuchotées entre quatre murs, générations suivantes, initiées les moments venus. Des histoires de meurtres, de vengeance, de haine, de cadavres dont il vaut mieux ne pas parler, des viols, de nous en tant que victimes et de nous en tant que bourreaux. Ces dernières beaucoup moins souvent et moins facilement racontées. J'écris sur ce sujet parce que j'aimerais que nous soyons plus que ce que nous sommes. J'écris à ce sujet parce que je voudrais que notre histoire cesse d'être secrète et ésotérique. Je voudrais donc que nous apprenions à nous souvenir de nos façons particulières de mourir, même si elles ne nous concernent pas. Ils ne me concernent pas. Disait l'auteur dans son journal Baleine et papillon de nuit. Laissons résonner les réflexions linguistiques de l'écrivain qui, dans une interview récente, parle de son trilinguisme et range les langues comme Freud range les couches de la psyché humaine. Pardon. C'était comme ça à la maison avec moi. L'allemand était la langue des secrets, des choses sérieuses pour les adultes. Le polonais était davantage une langue officielle et le silésien était une langue terre à terre pour les choses simples et d'autre part l'intimité la plus intime. Quand je fais quelque chose de technique, de manuel, mon monologue interne passe au silésien. Tout le sens technique que j'ai et en silésien. Les trois langues que je parle couramment, le polonais me semble le plus gonflé. En polonais, en particulier dans la langue de l'intelligentsia, il y a une telle célébration constante. Je suis radicalement différent en silésien qu'en polonais, beaucoup plus concret et plus axé sur la réalité. Le silésien n'est pas pour moi la langue des considérations théoriques. La langue de mon travail intellectuel est le polonais, ce qui est évident puisque j'ai fréquenté une école polonaise. Je dispose de tout l'atelier de langue pour mon travail dans cette langue. Et avec le genre de travail que je fais, vous avez besoin de la langue. Pas même les mots eux-mêmes. Il faut participer à l'univers de l'histoire de la langue, de la culture. Et l'univers silésien de la culture et de la langue est encore très modeste.
nous ne les créons que lentement, car l'histoire des Silésiens ayant des ambitions plus grandes que de creuser du charbon dans les roches a toujours été une histoire de renoncement à leur langue familiale, à leur Muttersprache. Lorsque la Pologne deviendra un pays un peu plus normal, lorsqu'elle rencontrera les Silésiens comme une minorité ethnique et les Silésiens comme une langue régionale, et lorsque nous commencerons à enseigner les Silésiens dans l'école, alors cet univers commencera peut-être à grandir. Le roman Morphine, paru en 2012, a été salué par la critique comme la réponse polonaise à Le Bienveillante de Jonathan Little. Heureusement, nous en avons une tradition française. Nous en avons une traduction française. L'auteur a réussi à briser plusieurs perceptions stéréotypées avec lesquelles la culture polonaise codifie l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, le moment de l'action du roman a été délibérément choisi comme un temps absent de l'imaginaire polonais, puisqu'il tombe à l'instant zéro, en octobre 1939. C'est déjà après la défaite de septembre, après que les autorités ont fui en Roumanie, mais encore avant que les institutions de la vie sous l'occupation a été constitué. À cette époque indéfinie, nous rencontrons notre protagoniste, un homme sans qualité. Il s'appelle Konstantin Willemann et il a 30 ans. Son nom renvoie étymologiquement au trait de Constance, tandis que son patronyme désigne un homme de volonté. En fait, cependant, le protagoniste n'est ni solide ni constant, ni caractérisé par une force volontaire. Constantin est le fils d'un officier allemand issu de la vieille noblesse silésienne, tandis que sa mère est une femme de la classe moyenne à Katowice, élevée dans une culture entièrement allemande et bourgeoise. Sous l'influence de l'expérience érotique et des Unfulfills, son mari est revenu de la guerre défiguré au visage mutilé dans sa fonction masculine. La mère de Constantin rejette les bagages de la culture allemande et devient 100% polonaise. Elle élèvera également son fils Constantin dans l'esprit polonais. Et Constantin, du moins superficiellement, tentera de répondre aux attentes de sa mère. Ainsi, tout d'abord, il épousera une femme polonaise exemplaire. Dans sa maison, il cultive les traditions nationalistes et une éthique stricte du devoir national, dont le beau-père du protagoniste est le gardien. La vie affective et érotique de Constantin sera très hygiénique dans le mariage, stricte et subordonnée à des valeurs supra-individuelles, eugéniques. Lorsque la guerre éclate, la famille de la femme de Constantin attend de lui qu'il fasse son devoir de guerre. En interne, cependant, il ne s'identifie pas à ses attentes de femme proche et de son beau-père. Après la défaite de septembre, à son tour, Constantin est censé être prêt à consacrer sa vie à la lutte clandestine. Laissez-moi citer le roman. Je crois qu'elle a souhaité ma mort. Elle voudrait devenir une veuve voilée de noir, prendre soin de ma tombe avec sa croix de bouleau, élever Jurek, leur fils, dans la conviction que son papa était un vaillant polonais. Puis laisser un bel officier prendre soin d'elle et de Jurek, accepter son aide et tomber amoureuse avec réciprocité, mais sans même lui permettre de la toucher du bout des doigts. Après quoi, dans une scène dramatique à vous déchirer le cœur, refuser sa demande de mariage. Constantin répond à ces deux attentes
en septembre 1939, il se bat comme l'ancien. Et la figure de l'ancien archétypale dans la tradition militaire polonaise. Le lanceur incarne le glamour masculin, fusionnant les notions de cohésion nationale et d'épanouissement sexuel. Après la défaite, Constantin endosse à son tour un autre rôle masculin archétypal dans la culture polonaise, les conspirateurs. L'importance de ce rôle pour les notions polonaises de la masculinité exemplaire s'est constituée au début du 19e siècle, lorsque la Pologne, en tant qu'entité politique autonome, a cessé d'exister, et que toutes les institutions qui auraient permis la réalisation de l'identité sociale masculine dans son intégralité ont été reprises par les États partageurs, hostiles aux Polonais. Par conséquent, toute activité politique devait être illégale, entourée d'une aura de mystère, d'obscurité et de risque. L'histoire violente de la Pologne au XXe siècle n'a pas permis d'oublier cette forme de réalisation du rôle social masculin. Tant pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'État clandestin fonctionnait sous le communisme, lorsque l'opposition démocratique est née, l'éthique de la conspiration est restée vivante et attrayante en tant que forme de réalisation de l'habitus masculin. La satisfaction de ce doux attente ne fait que exacerber les crises d'identité de Constante, qui ne se sent pas authentique dans ses rôles, ne se sent pas un homme à part entière. Il lui semble qu'il ne fait que répondre aux attentes de femmes, épouses et mères. Laissez-moi citer encore une fois le roman. J'avais quitté Grudziądz, là où était l'école de l'ancien Polonais. J'avais quitté Grudziądz avec le grade d'enseigne et après un cursus additionnel pour les réservistes. Lors de manœuvres à Trembovla, je suis devenu sous-lieutenant, car il est important d'être officier. Bien sûr, donc, je suis devenu officier, même si je déteste donner des ordres et déteste également en recevoir. Tout cela pour leurs yeux, pour l'image que ces pupilles renvoyaient, pour montrer que j'étais digne, pour les yeux de ma mère d'abord, pour que je puisse, dans ces pupilles pâles et claires, supplanter l'image de mon père et gringaler en botte en cap de cavalier qui part livide à la guerre contre les Français comme s'ils s'en allaient combattre Napoléon. Rapière, armure, selle, et dans les tranchées, on déluge de fer. Il ne sera, Constantine, il ne sera jamais non plus authentique dans son rôle de Polonais idéal. Il lui manquera toujours quelque chose. Un compagnon d'armes qui rencontre lui fera comprendre à un moment donné. Je ne t'ai jamais fait confiance, Willemann. D'ailleurs, tu sais ce qu'on disait de toi, espèce de sépulcre blanchi, que tu es polonais seulement sur le dessus, mais que si on gratte, on trouve on boche. Et alors, vous n'aviez pas raison. Il continue. Donc, il était en boche. Dans l'intérieur, hein, polonais seulement par son visage social, par son présence extérieure. Il n'est donc pas étonnant que Constantin se sente à moitié homme. Sa vie est faite d'une série d'insuffisances. C'est simplement que son existence individuelle n'est pas à la hauteur des attentes sociales formulées à son égard. Son autre moitié, sombre, est constituée de sa dépendance à la morphine, de sa liaison avec une prostituée juive russe, de sa vanité totale,
de son sybaritisme, de sa vie nocturne dans les restaurants et les clubs de Varsovie d'avant-guerre. Il dit de lui-même: « Je suis Constantin Willemann, j'aime les femmes, j'aime danser, et je n'aime pas les cheveux, je préfère les voitures, j'aime les tweeds écossais et les costumes d'été en tissu tropical fin, j'aime les rallyes automobiles et la piste de danse tournante de l'Adria, je n'aime pas l'armée ni les uniformes. » Cette phrase, dans une version plus ou moins modifiée, est répétée une douzaine de fois par le personnage principal du roman. Il s'agit d'une sorte de mantra qui est censé être une réponse à la question persistante et insupportablement récurrente: qui êtes-vous? Elle est censée faire en sorte que la vie, suspendue dans un étrange et éternel entre-deux, prenne n'importe quelle forme. À un moment donné, il tentera de se convaincre que pour un engagement conspirateur, il parvient à surmonter cette ambivalence interne. Je suis là, en moi différent, prêt à tout sacrifier. Je suis moi qui a aidé un ami à résister à la tentation de se enivrer. Je suis un officier polonais digne, courageux. Je suis un Polonais. Je suis un homme. Je suis viril. Je suis. Constantin, en raison de ses origines allemandes et de son allemand parfait, sera une acquisition précieuse pour la résistance polonaise. Il reçoit l'ordre de ses supérieurs de se faire enregistrer comme allemand dans l'office allemand. Cela lui vient si facilement parce que sa mère, en voyant la défaite de la Pologne à laquelle elle croyait, décide de devenir une Allemande modèle. Constantin parvient également à rencontrer son propre père, qui est un officier de la police militaire allemande à Varsovie. C'est de son père qu'il reçoit l'uniforme et les documents qui lui permettront de jouer avec succès le rôle d'un officier allemand. Dans le cas de Constantin, ce camouflage est si parfait qu'il se fond avec lui, avec son esprit. Le père de Constantin, Baldur von Strachwitz, était un cavalier allemand pendant la Première Guerre mondiale. Ses idéaux chevaleresques, anachroniques, ont fondu dans le bout d'une guerre de position sans fin, d'une guerre matérielle. La guerre a déformé son visage et des éclats d'obus ont brûlé un trou à la place de son pénis. Baldur a perdu sa virilité. Ainsi bien qu'il y a des moments dans le roman où l'esprit du père se manifeste en quelque sorte dans le corps du fils, comme ici. Mon visage dedans, un visage cassé, brisé, mordu par un shrapnel sorti d'un canon anglais. C'est le monologue intérieur de Constantin, mais ce sont des mots de son père en fait. Ce n'est pas ce que j'ai dans mes documents. Un visage masque, un visage non-visage, un monstre et non un visage. Épicé, comment pisser? C'est cependant la scène primaire, au sens freudien du terme, qui est la scène dans laquelle petit Constantin perçoit la mutilation primitive de son père pour la première fois. Peut-être que cette expérience de la petite enfance empêchera Constantin de croire à l'imaginaire hyper-masculin des nazis, car il se sentira grandi par l'expérience de la mutilation, de la grande castration collective que le nazisme cherchait à nier. Dans le roman, Constantin a donc essentiellement le choix entre deux projets sociaux de masculinité, les Polonais et l'Allemand. Les deux sont cependant de fausses promesses
et la masculinité est une construction faible et peu fiable. Le monde du roman est régi par les principes féminines. Non seulement parce que Constantine tente de construire son identité en réponse aux exigences des femmes successives, mère et épouse, mais aussi parce que le principe d'organisation le plus profond du monde humain est la présence de mystérieuses forces matriarcales qui organisent notre être dans les coulisses de l'histoire. L'émanation de cette force est la déesse noire dont la voix se fait entendre de temps à autre dans le récit du roman. La déesse noire accompagne Constantine et tente de les protéger. C'est elle qui va murmurer à Constantine ce qu'il doit faire. Cependant, il ne l'écoutera pas toujours. À un moment donné, la déesse conseille à Constantine de fuir à la fois les Polonais et les Allemands. Son salut est de retourner en Silésie. Écoutez. Fuis, petit Costec. Fuis devant elle. Ne reviens pas à la maison. Fuis tout cela. Aigle blanche, les Allemands et les Polonais. Fuis devant ton père aussi. Où est ton père, petit Costec? Fuis Varsovie. Rampe dans les fosses. Rampe par les forêts. Serpente dans les marécages. Mord la terre et creuse des corridors souterrains. Telle une larve creuse vers le sud jusqu'à atteindre la mine la plus profonde de Silésie, car tu es né d'une houlière du charbon et d'acier, et la houlière tu retourneras. C'est bien sûr impossible. Fuir, c'est impossible. C'est une pure utopie. La silésianité n'offre aucun support identitaire. Elle est une non-identité, elle est hybride, il n'est pour être exprimé. Son incarnation ne sera jamais légitime. Les voïvodes polonais de Silésie d'avant-guerre, Michał Grażyński, avaient l'habitude de dire aux Silésiens: nous ne pouvons pas tolérer les entités intermédiaires. Le leader politique polonais contemporain, Jarosław Kaczyński, parle de Silésiens comme d'une option allemande camouflée. Les Allemands utilisent le terme méprisant de Wasserpolaken ou Polonais fondu, Polonais d'or, pour désigner la population polonophone de Silésie. Ces Wasserpolaken parlent un dialecte local particulier, plein d'archaïsme et de germanisme, méprisé dans les univers linguistiques allemands et polonais littéraires. C'est Wasserpolski est la langue la plus proche du protagoniste, comme il le dit lui-même. Il pouvait penser dans cette langue. C'est la langue secrète de communication avec un autre personnage féminin qui forme Constantin. Il est significatif qu'il n'apparaisse dans le roman que dans un seul passage. Laissez-moi le citer. Elle est sur les champs de la Flandre, exactement là où est ma bite de mon visage. C'est toujours mélange entre père et fils, von Strachwitz et Willemann. Elle, c'est la déesse noire. Elle est sur les champs de la Flandre, exactement là où est ma bite et mon visage. Exactement là, je réfléchis même en polonais, pas en Wasserpolnisch, alors que j'aurais pu réfléchir en Wasserpolonais. Parce que j'avais appris cette étrange et gutturale volapique auprès de la nounou qui me dorlorait, vu que ma mère ne me dorlotait pas du tout. Et la nounou parlait en Wasserpolnisch. L'une des interviews de l'écrivain parue après la publication du roman a intitulé « Une absence parfaite d'identité ». Fador y explique que son protagoniste n'a pas de mémoire collective et qu'il est une identité solitaire. Analysant les problèmes d'identité
des personnes contemporaines, Zygmunt Bauman a inventé le terme identité fluide, qu'il décrit comme insatiable et constamment construite. L'homme est donc indéfini, instable dans ses jugements et ses idées sur lui-même et sur le monde. Il semble que toutes ces caractéristiques soient les principaux éléments constitutifs du caractère de Constant Willem. Il est facile d'en conclure qu'il est une inclusion de la postmodernité dans un monde moderne en désintégration. Son non-identité silésienne, prise en sandwich entre des projets identitaires solides polonais et allemands, préfigure les identités postmodernes incomplètes, hybrides et faibles. D'où les diagnostics sombres qui reposent sur la situation d'impasse dans laquelle l'homme, d'une part, est prisonnier des schémas nationaux et d'autre part, ne peut fonctionner sans eux, car ce sont eux qui constituent son apparence à un groupe particulier. Ce sont l'échafaudage de la conscience individuelle. En ce sens, la figure de Constantin Willemann incarne les expériences les plus importantes de la modernité. Le sans-abrisme compris comme l'absence de tout enracinement, tant dans le monde extérieur que l'intérieur. L'absence d'une définition uniforme de soi-même. Et la désintégration de la personnalité de l'être humain qui est coincé au stade de se façonner constamment et d'essayer de surmonter sa propre aliénation. L'homme n'occupe pas une place unique dans le monde, mais est une figure excentrique qui change constamment la position et qui est constamment obligée de définir sa propre identité de manière nouvelle, ou mieux, de réinventer constamment sa propre identité. Comme déjà annoncé, je vais essayer de vous présenter le sujet du récent monodrame d'Edvard. Le monodrame intitulé Les Taureaux. Il a été publié et créé sur scène au printemps dernier. Son protagoniste s'appelle Robert Mamok. Mamok est un homme de famille silésienne populaire, reconnaissable à sa consonance régionale. Il est un homme fatigué et puissant, âgé de. Il est le protagoniste. Il est un homme fatigué et puissant, âgé de 45 à 55 ans, pourtant en costume évasé, coûteux, mais délavé et étaché. Mamok est un journaliste pour un grand média national, une célébrité. C'est un Silésien qui a réussi, ou pour être plus précis, qui semble avoir réussi à franchir la frontière invisible de son identité silésienne, de son destin silésien, de sa destinée silésienne. Mamok a tout dans la vie, mais sa carrière est stimulée par la drogue, comme beaucoup de personnalités médiatiques. Il doit se stimuler à la cocaïne. Le spectateur de la pièce reconnaîtra facilement les traits essentiels de l'auteur, qui est d'un âge similaire, un homme au succès incontestable, un écrivain, mais aussi une célébrité médiatique. Un autre homme de médias né en Silésie est connu à l'échelle nationale, le journaliste et présentateur de télévision Kamil Durczok, influent et formant d'opinion, convient encore mieux un prototype scénique de ses personnages. Durczok était le présentateur du principal programme télévisé sur les principales chaînes de télévision, la TVP publique et la TVN privée. Il est décédé en novembre de l'année dernière, mais ces dernières années, le public ne le voyait pas tant comme un présentateur du programme d'information que comme son héros, une célébrité déchue, purgeant une peine de prison pour un accident de la route qu'il avait causé en alcoolique, en tricheur et en toxicomane, en fauteur de troubles domestiques. Son histoire a alimenté les tabloïds pendant plusieurs années et fourni aux paparazzi en revenu décent. Tvardok, cependant, utilise l'histoire pour faire une déclaration sur sa confusion
Également, le titre « Le taureau » est un terme familier en polonais désignant un homme fort et coriace. On le dit fort comme un taureau. Mais le taureau est aussi le minotaure, une créature piégée, perdue dans un labyrinthe, un monstre hybride humain-inhumain, le fruit d'une trahison amoureuse, un bâtard, un être qui doit rester caché. Nous rencontrons Robert Mamok dans la chambre peu meublée d'une personne âgée. La pièce est décorée dans le style des années 60. Dans la commode se trouvent des livres polonais et allemands. Sous la table basse, une bouteille de whisky coûteuse et un pistolet. Au-dessus de la porte des toilettes est accroché le seul accessoire à première vue incongrue dans la pièce, une réplique grandeur nature d'une tête de taureau crétois. Un autre au milieu de la pièce se trouve un lit vide pour les patients alités, installé de manière à ce que vous ne puissiez pas voir qui est couché dedans. Au chevet se trouve une table avec des médicaments et des pommades, des produits de soins et une chaise sur laquelle s'assoit notre protagoniste. Dans le lit se trouvent les grands-pères en silésien et en allemand les mêmes mots, Opa. Le grand-père est inconscient, inerte. Le protagoniste s'adressera à lui dans sa langue maternelle, le dialecte silésien. Le monologue qu'il adresse à son grand-père est une série de reproches, une dispute avec sa langue ombre. Je n'ai jamais eu aussi peur de personne, pas même de mon propre père, lui dit-il, car il sait que son grand-père est son surmoi intériorisé. Lorsque son autorité sur les actions de Robert s'est affaiblie, lorsqu'il a échappé au destin qui était écrit pour lui en Silésie, il a obtenu un diplôme universitaire à Varsovie et se lançait dans une brillante carrière dans les médias. Il n'est demandé que échouer. Les salons et les élites de Varsovie restent, malgré les apparences, un monde qui lui est étranger. C'est pourquoi, dans un moment de crise, Robert retourne chez son grand-père en Silésie, qu'il n'a jamais quitté en réalité. Putain de Varsovie! Et pourquoi ne pas déménager à Varsovie? Parce que c'est l'enfoiré. Parce qu'il n'y avait pas de Opa de Varsovie. Opa, le grand-père. Grand-père était le chef absolu de la maison familiale. Sa parole était sacrée que son silence. Le silence autant l'important des lois sur les morts. Le silence du grand-père dans la pièce est différent. Il est simplement mourant, inconscient. Mais lorsqu'il était au mieux de sa forme, le silence s'est transformé en une langue distincte par laquelle il communiquait sa volonté. La troisième langue qui apparaît sur la scène est l'allemand. Le grand-père parlait en allemand lorsqu'il ne voulait pas être compris par les enfants. Il utilisait également l'allemand pour lancer les ordres. Maul halten! Uhe, das Kind hört! Lorsque la conversation entre la vieille génération des Silésiens tombait sur la guerre, l'époque de service des grands-pères dans la Wehrmacht. L'épisode de la guerre est à l'origine du blocage de la communication, de l'enfermement des identités masculines dans une dure coquille de silence. Le grand-père apprend à construire une armure émotionnelle et impose ses modèles à ses successeurs. Pour notre protagoniste, il est déjà destructeur. C'est à cause de son silence persistant que son mariage s'écroule. Mou, faible, quoique gros comme un taureau, idiot, idiot, idiot. Et tout le monde pense que je suis si dur, impossible à baisser. À autre endroit. J'ai laissé tomber toutes les femmes qui m'ont aimé. J'ai détruit tous les amours. J'ai négligé tous mes amis.
Je négligeais mes parents, je négligeais mes fils uniques. Je détruis tant de bonnes vies. Je crachais dans la bonne vie. Le monologue de Robert à son grand-père inconscient est interrompu par des appels téléphoniques d'agents d'édition, d'assistance, de son ex-femme, voire de son fils. Mais ce monde interposé se principalement représente par des femmes. Avec toute cette extériorité, Robert converse avec un haut degré de politesse littéraire. Chaque conversation le plonge encore plus profondément. La dernière est une conversation avec un journaliste dans Média à Sensation. De plus en plus exaspéré, il crie dans les récepteurs combien il déteste l'establishment, combien il lui est difficile de supporter les réalités qui lui humilient. À la fin, il se souvient d'Erich von den Bach, le commandant allemand qui a réprimé le soulèvement de Varsovie en 1944 et s'est réjoui que les Allemands aient brûlé la ville et tué des milliards de personnes. S'il vous plaît, donnez une telle piste à l'Internet, le scandaleux discrédité, petit-fils d'un soldat de Wehrmacht, Robert Mamok, plonge encore plus loin, faisant l'éloge des crimes des nazis. L'effondrement est maintenant complet. Ta sévérité a fait de moi un taureau, dit-il avec reproche à son grand-père mourant. Dans son acte de rage, il renverse le lit, qui s'avère être vide. Grand-père n'y est pas du tout. Il pleure, demande en vain à l'absent, « Pourquoi tu es mort, opa? Pourquoi tu m'as laissé seul ?» Au bout d'un moment, il remet le lit en place, s'y allonge comme un mort et se met à prier haute voix. Le fils de Robert commence à frapper à la porte. Il ne peut pas partir et crie à son père de les laisser entrer. Le père s'adresse à lui en silésien, la langue de son grand-père, et que le fils ne comprend pas et qui l'irrite. Le fils ne sera pas laissé entrer. Robert prend son pistolet. À ce moment-là, la lumière en scène s'éteint. Un instant plus tard, la scène est inondée d'une lueur rouge et remplie d'une musique pulsée semblable à de la transe. À moitié nu, Robert danse sur la scène et pourtant sur la tête un grand masque de minotaure cornu. Il ulule, il crie, il se frappe la poitrine comme s'il dansait une danse de guerre. Pour résumer brièvement, j'ose avancer la thèse selon laquelle Fardoch a réussi à créer un mythe très suggestif de la masculinité silésienne. Son histoire est très différente des stéréotypes culturels qui dépeignent les Silésiens comme des gens simples, bons, dociles, travailleurs et peu intelligents. Les héros silésiens de Tvardok deviennent des entités individualisées, atomisées, peu inclinées à adopter des scénarios et des rôles sociaux tout faits. Leur attitude à leur égard est ironique. Le décalage avec les constructions identitaires toutes faites préfabriquées est certainement d'une grande valeur. Notre satisfaction de lecteur vient du fait que les personnages de Tvardok confirment notre méfiance commune envers les communautés apparemment homogènes qui réduisent nos individualités. Il y a cependant un moment négatif dans cette entreprise, car ici l'affirmation pure et simple de l'individualisme est impossible. Coupés de nos racines, de la communauté, de la mémoire, du langage, les protagonistes de Tvardok échouent presque toujours. Willemann meurt de la main d'un ami, les protagonistes du taureau finit par se compromettre. Alois Pokora mourra accidentellement pendant la révolte de Silésie, et les protagonistes de Drach ne surveillaient pas un enfant qui tombe d'un balcon et meurt sur les coups. Le monde de choix identitaire dans l'œuvre de Tvardok est tragique à la manière des romans de Michel Houellebecq. Il est impossible d'exister au sein des collectifs,
mais il est également impossible de rester une particule élémentaire indépendante en électron libre social. Enfin, je dirais que j'ai une relation personnelle avec cette œuvre. Je suis un citoyen polonais, je parle et écris principalement en polonais. Mon accent vous trahit tout de suite mon origine slave. Je suis professeur dans une université polonaise. Pourtant, mon grand-père paternel a combattu dans le rang des Wehrmacht et le frère de mon grand-père est mort pour le Kaiser Wilhelm en 1916 dans les montagnes de Transylvanie. C'est la photo de mon grand-père en Wehrmacht. Et voici une poutre que j'ai coupée dans la maison familiale. Elle indique la date de sa construction, 1859, et la notation est en polonais. Dans le nom de famille de mon ancêtre, nous voyons la lettre polonaise Esch, Andreas Rich. Mais son nom, qui est en polonais, était Andrzej, était écrit en allemand, comme Andreas. Moi-même, malheureusement, je parle Wasser Polish. C'est une langue que ma grand-mère silésienne m'a enseignée. Malheureusement, mes enfants ne le parlent plus. Pour eux, du moins pour l'instant, le silésien n'existe pas. Mesdames, messieurs, merci pour cette conférence. J'attends à vos questions. Merci Wojciech Mija pour cette intervention et donc riche et passionnante, avec cette conclusion qui constitue une sorte de coming out silésien. Donc c'est vrai que bon, la Haute-Silésie natale, c'est aussi pour Twardor également, hein, dans cette position-là déchirée, un sujet déchiré entre la culture allemande et la culture polonaise, donc, et puis silésienne, donc on est entre le deux, et ça veut dire aussi entre le deux types de masculinité et donc tous ces grands mythes polonais et allemands sont finalement mis en question. Il y a, donc tu travaillais beaucoup, tu parlais beaucoup sur la morphine et puis le taureau, mais il y a aussi l'éternel Grunewald, un personnage dans ce roman, et aussi, hein, c'est un chevalier, mais qui se trouve entre les deux et qui montre finalement cette symétrie entre l'idéologie masculine, militaire, polonaise et allemande, et voilà la position d'un Silésien qui ne s'identifie pas ni à l'un ni à l'autre. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question de Johanna Lasser. Madame. Bonjour. Merci pour cette conférence fort intéressante. Et je suis un petit peu étonnée par votre conclusion. Personnellement, je pense que un des grands acquis de la transformation dans le domaine de la culture en Pologne, c'est justement cette mise en question de tout un tas de mythes dans lesquels nous avons grandi. Moi, personnellement, j'ai grandi dans la Pologne communiste encore. Et l'écroulement, quelquefois même douloureux, de ces mythes apporte quand même une pensée très très riche. Et pour moi, la découverte de la Silésie, justement, entre autres, a été vraiment intéressante. Et il me semblait, pour y avoir travaillé pour tout à fait un autre domaine, pour
essayer d'organiser quelque chose entre la France et la Pologne dans cette région-là pour les étudiants et pour les Français. Et il me semblait qu'il y a quand même une présence assez vive comment dire, des amoureux de la culture Schlonzac, mauve, comment on appelle la Vala, comment vous dites Schlonska Gotka, tak, Schlonska Gotka. Schlonska Gotka, voilà. Mais il semblait qu'il y a quand même un intérêt assez présent et il y a même les hommes politiques qui les favorisent. Voilà ma question. Votre question sur le statut de Gotka maintenant auparavant, hein? En fait, oui, mon certain étonnement quand vous dites que malheureusement ça se perd beaucoup maintenant, parce qu'il me semble qu'il y a quand même une certaine renaissance culturelle dans les écoles, dans les petits villages, petites villes. Grâce à Tvardor, notamment. Non, c'est une autre chose. Est-ce que c'est possible que je réponde en polonais? Vous comprenez polonais? C'est plus naturel parce que la plupart des participants sont des Polonais. Polonais, c'est mon langue maternelle. C'est plus simple de répondre comme ça. Merci beaucoup. Oczywiście, ten renesans. Może zacznijmy od takiej, tak historycznie. To taka anegdota z rodzinna. Mój teść, będąc małym dzieckiem, wyjechał ze Śląska na kolonię nad morze, nad Bałtyk. To były lata 50. Taki głęboki stalinizm. A mieszkał i mówił po śląsku głównie, gwarą śląską. I w Gdyni chciał sobie kupić tytkę bombonów, czyli torebkę cukierków. Został aresztowany przez UB, będąc 12-letnim dzieckiem i eksmitowany z tych kolonii na Śląsk z powrotem, przesłuchiwany, bo używał języka niemieckiego. Więc w tym najgorszym czasie język niemiecki, czy język śląski, właściwie Gwara Śląska, ta Gotka Śląska była mocno napiętnowana. Myślę, że w latach po przełomie, rzeczywiście po przełomie 89 roku, ten renesans mowy śląskiej gdzieś tam się odbywał, te konkursy gwarowe, o których pani wspomina, te różne jakby szkolne działania, edukacja regionalna, to się odbywa, to prawda. Natomiast wydaje mi się, że Śląskowi, Ślązakom, śląskiej kulturze brakuje tego poziomu trochę wyższego. Znaczy poziomu nie Gotki Śląskiej jako takiego skansenu, folkloru, tylko pełnej funkcjonalności mowy, pełnego docenienia mowy, pełnego realizowania tego języka jako języka, powiedzmy, równorzędnego polszczyźnie, prawda? To jest to, co mnie u Twardocha zachwyca. Ta umiejętność, jakby ten trójlingwizm, prawda? To przeskakiwanie z polskiego na śląski, z niemieckiego na polski i tak dalej. A myślę jeszcze, jeżeli mogę skończyć tę wypowiedź, to myślę jeszcze o tym, że mamy jednak pewien taki renesans śląskości i takiego zainteresowania Śląskiem. Chyba trochę też politycznie uwarunkowany, ponieważ jak pani pewnie wie i państwo wiedzą, polityka polska dzisiaj jest bardzo centralizująca, centralistyczna, taka polonocentryczna i bardzo wykluczająca w gruncie rzeczy. W związku z tym naturalną reakcją społeczeństwa jest różnicowanie się, prawda?
opór jakiś. I Śląsk stał się ciekawy literacko, ciekawy jako pewna inna forma polskości niż ta dominująca i promowana dzisiaj. Ja tu wspomnę Zbigniewa Rokitę, którego książka zdobyła nagrodę Nike w ubiegłym roku. To znakomity ambasador języka polskiego, przepraszam bardzo, tożsamości śląskiej w języku polskim. No i ogromny sukces literacki, kilkaset tysięcy sprzedanych egzemplarzy. To wiele znaczy. Mam niewielki udział w tej książce, czego bardzo, bardzo się cieszę. No i to jest przełamanie, już ostatnim zdaniem to zakończę. Przełamanie też pewnego stereotypu Ślązaka jako robotnika, jako górnika, jako kogoś mało cywilizowanego czy mało kulturalnego, mało ciekawego w gruncie rzeczy, prawda? Nagle okazuje się, że Śląsk, Ślązacy, śląska historia, śląska tożsamość może być ciekawa. Tym upatruję tej różnicy. Dziękuję i Donc, przepraszam, jeżeli za długo mówiłem. certainement, vous avez compris tout. C'était donc sur la Renaissance silésienne, qui, donc en ce moment, la culture silésienne, en quelque sorte, à la mode, notamment grâce à Stepan Fardoch, hein, qui est un écrivain super populaire en Pologne en ce moment. Mais donc pour Wojciech Szmija, ce qui est important, c'est que Twardoch, mais pas seulement lui, mais aussi Zbigniew Rokita, donc, a fait entrer le Silésien par le biais de ce livre qui mélange, parce que chez Twardoch et chez Rokita également, on a des passages en silésien, en polonais et en allemand. Mais on comprend très bien hein, ce silésien, c'est pas. Mais pour Wojciech, alors, cette constatation qu'il y a la Renaissance silésienne ne suffit pas, parce que de quelle culture parle-t-on finalement? C'est-à-dire que. Au début, donc, c'était la culture réduite à son aspect folklorique. Voilà, donc c'est maintenant ça change, ça bouge. Et voilà, si je résume bien ce que je viens Oui. d'entendre. Avez-vous. Nous avons des questions. Oui, donc madame, oui, Oui, allez-y. parce que je pense Micro, hein, d'avoir micro. compris l'essentiel de ce que vous avez dit en polonais. Oui, parce que. Peut-être les batteries ensemble. Oui, je répète, Franchement. oui, je pense que d'avoir compris ce que vous avez dit tout à l'heure en polonais, c'est-à-dire cette renaissance culturelle, comme vous dites. Mais oui, bien sûr, c'est le côté identitaire qui est lié, bien sûr, à la linguistique aussi. Côté linguistique, et ça concerne la diversité linguistique. Et ces dernières décennies, justement, il y a le changement d'attitude vis-à-vis de ces manifestations linguistiques, parce que c'est pas un secret que dans la plupart des pays, la politique linguistique étatique, mais c'est le cas de la Pologne, mais bien sûr aussi c'est le cas en France aussi. Bien C'est sûr, absolument. comme on dit la politique en quelque sorte jacobine, Oui, c'est-à-dire on impose une langue. Même la Constitution française, l'article 2 qui dit que la République, la langue de la République est le français. C'est-à-dire en quelque sorte c'est le rejet des statuts des langues régionales. Et ma question vis-à-vis de la politique polonaise, on peut dire contemporaine maintenant, est-ce que la Pologne a signé la charte des langues régionales, la charte européenne des langues régionales? Est-ce que le silésien a un statut d'une langue régionale?
enseigner à l'école. Vous avez dit c'est les écoles privées. Merci pour votre question. Je ne m'occupe pas de la situation politique contemporaine, mais il y a des efforts des politiques locaux, des mouvements politiques régionaux qui soutiennent l'identité silésienne, qui sont des autonomistes par exemple, qui essayent depuis une quinzaine d'années peut-être d'obtenir le statut de la langue régionale pour le dialecte silésien, c'est Basser Polnisch auquel j'ai dit auparavant. Mon collègue de l'université, professeur Zbigniew Kadubek, avait une présentation dans le Parlement polonais pour supporter la vision de silésien comme langue régionale, sans aucun succès, parce que la Pologne contemporaine les forces politiques qui règnent en Pologne maintenant, ils sont vraiment centralistes, dans le sens politique, bien sûr. Il faut les nommer comme les nationalistes polonais. Ils trouvent les Silésiens, la culture silésienne comme une... influencé par l'allemand, probablement cet renforcement culturel et linguistique de Silésie comme une région assez riche, assez peuplée, pouvait provoquer des problèmes des questions, par exemple, d'autonomie de région, parce que dans l'histoire de la Silésie, nous avons eu, en période d'autonomie, importante autonomie qui donnait aux Silésiens le sens de autogouvernement, d'être le seigneur, le maître dans leur région. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, Pologne est devenue un État très centralisé. Et cette tradition de centralisation s'est continue. Il y a deux régions en Pologne qui ont des langues, des dialectes très différents de la langue polonaise littéraire. C'est Silésie et Kachubia. Les Kachubes... autant que je sache, peut-être que je suis pas sûr, mais il me semble qu'ils ont obtenu ce statut de langue régionale. Mais c'est une région moins forte, plus petite, moins peuplée, donc moins dangereux que la Silésie, si je veux dire comme ça. Oui, merci. C'est parce que c'est toujours vu comme un danger à l'unité nationale. C'est oui, ça? Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est quand même, c'est faux, parce que ce qui devrait changer, et je pense que comme Pologne aussi, il y a du côté, au moins des linguistes, surtout des sociolinguistes, je sais qu'il existe, et que c'est défendre la diversité, ne pas la considérer comme un danger pour l'unité nationale. Et de ce point de vue, est-ce que, si je complète ma question, est-ce qu'en Silésie, il est locuteur du dialecte silésien, est-ce qu'il y a ce sentiment, on peut dire, d'être inférieur ou non? Des points de vue linguistiques vis-à-vis du polonais, ou, c'est-à-dire, est-ce qu'on se sent plutôt en position de diglossie, c'est-à-dire le bilinguisme? Ça dépend des générations, ça dépend de la situation personnelle, oui, je crois que ça dépend de ville à ville, parce qu'il y a des villes très traditionnelles
qui sont 100% silésiens. La langue silésienne est bien parlée, bien vue. Mais il y a des régions qui sont plus mélangées, on peut dire comme ça, où le silésien peut être vu comme la langue inférieure. Et ça dépend de génération aussi, parce que moi, je parle le dialecte silésien. C'est ma grand-mère qui m'a fait cette transmission culturelle et linguistique pour moi. Je l'adore, j'adore cette langue. C'est mon langue de mon cœur. C'est toujours comme ça. C'est un sentiment particulier d'utiliser ce dialecte. Mais mon fils ne parle pas. Ma fille ne parle pas. Je n'ai pas. Il n'y a pas cette transmission plus. Mais il n'y a pas de transmission à l'école. Quand j'étais l'élève à l'école, nous avons parlé de ce dialecte à la récréation, par exemple. Mais les élèves aujourd'hui, dans la même école, dans le même village, ils parlent polonais. Donc le dialecte diminue en fait. Peut-être c'est trop tard pour faire cette révolution linguistique. Il n'est jamais trop tard. Les Bretons, non, sont très bons. Merci pour votre optimisme. Merci beaucoup. Il n'est jamais trop tard. Voilà, donc c'est dommage, d'autant plus que c'est ça la spécificité centre-européenne, c'est-à-dire face à la création, fabrication de la nation moderne à l'ouest, à la française par exemple, hein, il s'agissait de l'unification voilà, par le biais de l'éducation, de l'unification linguistique aussi, tandis qu'en Pologne, c'est-à-dire en Europe centrale, voilà, partagé par trois empires. C'était ça, c'était la diversité de nations et de langues sans État. Et donc c'est dommage que cet héritage, même si donc tu parles de la Renaissance silésienne, c'est vrai, et en plus que cette Renaissance est donc conditionnée par la popularité de Stepan Twardoch et voilà, Zbigniew Rokita également, mais aussi par le contexte politique et qui privilégie la centralisation, voilà, et la perspective polonocentrique. Et je vois une autre Johanna, il y en a deux alors, madame, et vous voulez donc poser une question. Merci beaucoup, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier Wojciech pour cette présentation, pour cette conférence qui était fort intéressante pour moi. Et pour moi, ce qui était vraiment intéressant, c'est que tu as montré l'œuvre de Twardoch, d'une part, d'une manière à ce que le lecteur français puisse comprendre cette littérature. Donc, tu as dû faire ce travail de démontrer la littérature qui n'est pas connue, mais d'autre part, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce cadre silésien, parce que tu lis cette littérature en tant que silésien, et je dois avouer que pour moi c'est vraiment exotique, parce que moi je ne suis pas silésienne, j'habite tout près de la Silésie, mais de l'autre côté de la rivière, donc aussi cette littérature est pour moi exotique, je dois avouer qu'il y a des fragments que je ne comprends pas le silésien. Je me demande, je ne sais pas si tu le sais, Quelle était la réception des romans de Twardoch en France? Parce que quelques-uns ont été traduits vers le français, donc tu m'as aussi donné l'envie de travailler sur la traduction française. Ça doit être vraiment très, très intéressant de voir. Mais quelle était la réception de Twardoch en France? J'ai aucune idée. Premièrement, merci pour ta présence aujourd'hui. Ça, c'est très encourageant. Merci pour tes mots chaleureux, c'est super important pour moi. Je ne connais pas les documents qui
qui parle qui présente la présence des femmes de rav en France. J'ai acheté un exemplaire de morphine en français pour me préparer pour cette conférence. Le livre est publié en 2018, je crois. Mais à la première page, nous avons le son retiré des collections. Peut-être personne ne voulait pas lire cet auteur en France. En plus, tu viens toi-même de traduire des extraits du Taureau. Oui, parce que c'était Oui, ta traduction à je... toi, parce qu'il n'y a pas de. Donc, c'est un Taureau. Donc, Beck est paru en 2021, je pense. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Il y a une traduction de Drach aussi, mais je ne connais pas la version française de Drach. Donc, tu m'as donné envie de travailler sur cette traduction, de voir quand c'est en été traduit. Et encore une petite remarque, parce que j'ai tout de suite vérifié cette charte européenne des langues régionales Oh, et d'accord. minoritaires. Donc, la Pologne a signé cette charte en 2003 et puis cette charte est entrée en vigueur en 2009. Et là, il y a la langue Kashub en tant que langue régionale, mais il n'y a pas de Silésien, bien Ah, sûr. une question. Il l'a question. signé, mais est-ce qu'il l'a ratifié? Donc la Pologne donc, a signé cette charte, mais est-ce qu'elle a donc ratifié cette Oui, charte? parce que les mesures vont après. On peut toujours signer Oui. et rien faire. C'est le cas de la France vis-à-vis Donc vous des langues savez, régionales. Johanna, vous savez, non. Non, non, ça ne se fait pas, il faut Ça reste à vérifier. vérifier après. Hein, Oui, d'accord. Mais j'avais bon, raison. je me souviens maintenant le petit traité de Versailles aussi. Il y avait pas forcément sur le plan linguistique, mais voilà la protection des minorités. Voilà donc la Pologne en 1919, la Deuxième République a été forcée en quelque sorte. Donc il y avait Roman Dmowski, Ignacy Paderewski qui ont signé, et puis la Diète a ratifié ce petit traité de Versailles qui donc garantissait de liberté de religion, de culture, de minorité nationale qu'on disait à l'époque. Parce que la Pologne de l'époque, donc la Deuxième République, donc comportait 30%, 30% de la population totale et n'était pas donc polonais. Nous avons une question. Une question encore. Joanna Lasserre. Johanna Lasserre, madame. Mais non. Peut-être. Oh, c'était l'ancienne main qui est restée. J'ai Ah, déjà posé la monsieur. question. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Donc, Piotr Sobolczyk, vous voulez ajouter quelque chose ou. C'est tout bon. J'exagère peut-être, j'ai encore une question. Je voudrais dire que je mets la présentation, j'allais décrire à un message, mais je peux dire au public que j'aimais beaucoup, c'est ça exactement que nous désirons dans ce projet. Je n'ai pas de questions singulières. Je vois que la discussion a tourné vers la Silésie plutôt que la masculinité. C'est symptomatique. Ce qui intéresse le public aujourd'hui, mais je comprends bien. Et voilà. Wojtek, si tu veux parler un peu plus, je me suis demandé, tu as commencé à parler sur ton fils et ta fille. Mais c'est comment
vous parlez les Silésiens dans certains contextes, donc vous considérez polonais le langage officiel de l'école, de médias, et les Silésiens de la famille, des amis, c'est comment? Bonjour Pierre, merci pour être invité dans ces projets, c'est grâce à toi premièrement je crois. Tu demandes que ta question c'est la question du pragmatisme linguistique, ouais? Tu demandes quelles sont les situations sociales auxquelles nous utilisons notre dialecte, ouais? Oui, et votre émotion ou sensation, association quand vous parlez les Silésiens envers les Polonais. Je viens de citer Twardo qui dit que quand il utilise le Silésien, il a une autre personne. C'est aussi le mon cas, parce que je... j'utilise le Silésien dans le autour dans le cercle de mes collègues des années scolaires. J'utilise le dialecte avec des gens de mon village, des mécaniciens qui font la réparation avec ma voiture, etc., etc. Et pour moi, c'est très utile parce que ça offre une autre aura émotionnelle entre interlocuteurs. Ça nous donne un sens d'être conspiration, tu sais. C'est quelque chose très privé. Pas officiel. La clandestinité. La clandestinité, oh, merci pour les mots. C'est une sorte de clandestinité. Et nous approche. Par exemple, quand je rencontre quelqu'un en vacances, oui, je suis en Croatie en vacances à la plage, je fais la connaissance avec des familles ou des gens qui sont à côté de moi. On échange de questions élémentaires, d'où venez-vous, etc., etc. Et s'ils me disent, oh, we are from Silesia, in region in Poland. Welche są Ślązaki? Ja też, ja też. Et tu sais, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça. J'adore cette langue. De temps en temps, je l'utilise, par exemple, quand j'ai des courses, des conférences en Varsovie. J'ai utilisé quelques phrases, quelques mots silésiens pour étonner mes étudiants. Ils l'adoraient. Ils l'adoraient comme quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'exotique. Ça marchait bien. Humoureux, non? Parce que j'ai la sensation que pour la majorité polonaise, la langue tant de montagnes, des Zakopanes, etc., ont des Silésiens un peu plus humoristiques, non? Comme aussi la langue tchèque, pour les Polonais. Écoute, juste une petite question. Toi, personnellement, tu crois que le Silésien est un dialecte ou est une langue séparée? De point de vue de grammaire, c'est un dialecte, je crois. Je ne suis pas linguiste. Je ne suis pas linguiste, mais les arguments des linguistes qui soutiennent la thèse que c'est un dialecte sont plus convaincantes que ceux qui trouvent Silésien comme décrire Silésien comme en langue indépendante. Selon moi, c'est pas le cas. C'est la politique.
Si nous prenons le silésien comme une langue différente, ça, c'est la question d'autonomie, etc., etc. Je crois que c'est un dialecte polonais, de la langue polonaise, enrichissante le polonais. Et voilà une réponse diplomatique après une déclaration assez forte il y a 15 minutes. Merci Wojciech, Merci Pierre. merci à vous tous, Merci. et merci Johanna 1, merci Johanna 2. Et il faut qu'on s'arrête là. En plus, vous ne savez pas, mais il fait vachement froid ici. Tu confirmes? Oui, je confirme. Est-ce que je peux lui dire Je pour suis peut-être préparé. ce boutique encore une Oui, chose pour encore, cette boutique. Oui, un message pour Piotr Sobotchik. Oui, du point de vue linguistique, je voulais vous dire à propos de dialecte, la différence, c'est une langue, un dialecte. Bah, il faut qu'on l'oublie quand même. On vit maintenant, oui, au 21e siècle. Et comme il y a une boutade linguistique des sociolinguistes qui disent quelle est la différence entre un dialecte et une langue, on a dit la langue, c'est un dialecte avec l'armée et la Je la flotte. connais, oui. C'est ça, c'est justement, c'est politique. C'est culture. Oui, ce sont des langues à part entière. Hein. C'est les liens comme le. Voilà, donc merci mille fois et bon après-midi et Merci. on se voit le 30, le 30 janvier, ça sera donc la conférence sur Dorota Masurska, donc présentée par Kinga et Kalba, Kwiatkowska-Kalba. Merci. Merci pour votre attention. Merci.